presse sur le programme des Lions Indomptables à Paris par la Fédération française de football à leur siège à 12h précise. Donc, donc à ce point de presse, un point de presse portant information sur le programme à venir de la sélection Fagnon masculine, sélection des Lions Indomptables. Chers journalistes des médias nationaux et internationaux, mesdames, messieurs, d'entrée de jeu, puisque nous sommes dans le registre du sport, je tiens à vous exprimer la profonde gratitude de l'ensemble des membres du comité exécutif de la FECAFOOT, dont certains sont ici présents, ainsi que la mienne propre, pour la peine que vous vous êtes donnée afin de couvrir la présente conférence de presse. Notre sélection nationale Fagnon, les Lions Indomptables du Cameroun et l'équipe de France de football communément appelée les Bleus se rencontreront pour la troisième fois dans l'histoire de leur existence le 30 mai 2016 à Nantes au stade La Beaujoire. Nous l'avons déjà souligné, le troisième entre nos deux pays qui, comme vous le savez, partagent en commun une longue histoire qui date de l'époque où le destin a croisé nos deux peuples, celui de France et celui du Cameroun, à travers l'acte de mise sous mandat de la France du Cameroun par la Société des Nations. Plus que de simples rencontres sportives, les matchs de football entre la France et le Cameroun sont souvent de grands moments de l'histoire entre nous et nos ancêtres gaulois, qui depuis les indépendances sont devenus des pays frères et amis. En effet, les relations sportives entre nos deux pays sont très riches et intenses dans les domaines de la coopération technique. Dans le domaine spécifique du football, si les footballeurs camerounais ont trouvé en France une terre favorable pour l'expression de leur grand talent, le Cameroun est en Afrique, le creuset pour le savoir-faire français en matière de coaching a été le plus affirmé. Pour ce qui est des rencontres de football entre nos deux pays, il a fallu attendre les années 2000 pour voir nos deux sélections nationales s'affronter en match amical et en match officiel au Stade de France de Saint-Denis. Le 4 octobre 2000, nos deux sélections nationales s'affrontaient pour la première fois, 40 ans après les indépendances, en match amical. Constitué de leurs meilleurs éléments, ce match reste gravé dans la mémoire collective du peuple français et du peuple camerounais.